Bonjour, mes chers élèves de 6e année primaire. Je vous présente ce cours de grammaire, le discours direct et le discours indirect, deuxième partie. On va faire, bien sûr, quelques exercices et on va corriger après. Alors, un petit rappel, quand on passe du discours direct au discours indirect, le temps du verbe de parole ne change pas si le verbe introducteur est au présent. Mais si le verbe introducteur est au passé, bien sûr, le temps du verbe de parole change. Alors, ici, dans cette vidéo, je vais agrandir un peu. Voilà. On va voir deuxième activité. D'accord? Et à recopier les phrases en ajoutant la ponctuation qui convient. D'accord? Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir à cette question. Vous allez tout simplement recopier les phrases en ajoutant la ponctuation qui convient, surtout au discours direct. Alors voici donc la correction de cet exercice en ajoutant bien sûr les ponctuations. Alors, la voiture va être réparée tout de suite. Alors, qui a dit ça? C'est le garagiste. Le garagiste déclare que la voiture va être réparée tout de suite. D'accord? Répétez avec moi. Le garagiste déclare que la voiture va être réparée tout de suite. Alors, c'est très bien. Ça, ce qu'on appelle le discours indirect, le passage du discours direct au discours indirect. Regardez bien sûr ici, ce sont des ponctuations. Normalement ici, ce sont des aigus. On doit mettre toujours le discours entre guillemets, bien sûr. Hein. Si on commence bien sûr avec le garagiste déclare, deux points. La voiture va être réparée tout de suite. Le garagiste déclare, deux points, la voiture va être réparée tout de suite. Alors pour B maintenant, le rapport doit être prêt pour la réunion précise du directeur. Alors, comme d'habitude, on va voir ce qu'on appelle le passage du discours direct au discours indirect pour familiariser avec. Le directeur précise que le rapport doit être prêt pour la réunion. Le directeur précise que le rapport doit être prêt pour la réunion. Pourquoi on met que toujours? Parce que c'est une phrase déclarative. Le passage ici, pardon, le discours ici, c'est une phrase déclarative. Alors, on doit mettre toujours que. Le directeur précise que on enlève bien sûr la ponctuation, les deux guillemets. Le directeur précise que le rapport doit être prêt pour la réunion. Vous refusez de répondre à mes appels téléphoniques, assure le responsable. Bien sûr, il accuse Hamza, par exemple. C'est l'exemple. Au passage, on dit le responsable accuse Hamza qu'il refuse de répondre à ses appels téléphoniques. Qu'il refuse de répondre à ses appels téléphoniques. Le responsable accuse Hamza qu'il refuse de répondre à ses appels téléphoniques. Alors, on sait déjà que le terrorisme, c'est pas terrorisme, le terrorisme. Il y a le tourisme et le terrorisme, il y a une différence. Alors, le terrorisme frappe partout, on doit le combattre. Bien sûr. C'est un passage, ou c'est une phrase au discours direct. Et qui a dit ça? C'est le ministre de l'Intérieur, ou le ministre de Défense. Le ministre déclare
que le terrorisme frappe partout et qu'on doit le combattre. Et qu'on doit le combattre. C'est ce qu'on appelle le discours interdit. Répète avec moi pour familiariser avec. Le ministre déclare que le terrorisme frappe partout et qu'on doit le combattre. Toujours avec le verbe introducteur au présent. Il faut être attentif en classe, répète toujours le professeur. Il faut être attentif en classe, répète toujours le professeur. Alors, le professeur répète toujours qu'il faut être attentif en classe. Le professeur répète toujours qu'il faut être attentif en classe. Il faut être attentif en classe, c'est un discours direct. Vous avez bien compris. Alors, petite révision. La voiture va être réparée tout de suite, déclare le garagiste. Le garagiste déclare que la voiture va être réparée tout de suite. Le rapport doit être prêt pour la réunion, précise le directeur. Le directeur précise que le rapport doit être prêt pour la réunion. Vous refusez de répondre à mes appels téléphoniques, accuse le responsable. Le responsable accuse qu'il refuse de répondre à ses appels téléphoniques. Le responsable accuse qu'il refuse, accuse son ami, son, accuse Hamza, qu'il refuse de répondre à ses appels téléphoniques. N'oublie pas. Transformation, s'il vous plaît, le pronom personnel et aussi les adjectifs ou les déterminants possessifs. Le terrorisme frappe partout, on doit le combattre. Si on a ici deux phrases, on doit mettre la liaison avec et quand. Le ministre déclare que le terrorisme frappe partout et qu'on doit le combattre. Et qu'on doit le combattre. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. Ah, bah non. Elle reste cette phrase. Il faut être attentif en classe, répète toujours le professeur. Le professeur répète toujours qu'il faut être attentif en classe. Voilà. Et j'espère que vous avez bien compris cette séquence de vidéo et cette leçon de discours, le passage du discours direct au discours indirect lorsque le verbe introducteur est présent. On va laisser bien sûr le passage du discours direct, le discours direct au discours indirect lorsque le verbe introducteur passé pour la prochaine fois. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci. On a déjà répondu à la deuxième activité, recouper les phrases en ajoutant la ponctuation qui convient avec le passage du discours direct au discours indirect. Lorsque le verbe introducteur au présent. Merci beaucoup, mes chers élèves.